43 ans et toujours une folle énergie à revendre. Voici Polyglotte. Et oui, le grand, le fameux Polyglotte, pur fils de Saddleswells avec une mère par Val de Lorne, le pilier de l'élevage français qui fait à la monte au ras des truands. Ce cheval a réussi un exploit unique, être meilleur étalon en France, la même année, tant en plat qu'en obstacle. C'était l'année, bien sûr, où il sortait Solemia, la gagnante du prix de l'Arc de Triomphe, tandis qu'en obstacle, il dominait, comme d'habitude, la situation, sortant notamment, et entre autres, Saint-Duchesnet, le lauréat du Grand Prix d'automne, groupe 1. Impossible de citer ici toute sa vaste production, cela prendrait trop de temps. Restons seulement en 2014, où il a sorti des deux côtés de la Manche, dont Polly, gagnant le groupe 1 à Leopard Stand, et Fleur d'Aînée, la lauréate du prix Ferdinand Dufort, groupe 1 pour les 4 ans à Auteuil. Polyglotte, la référence, fait la monte à 10 000 euros au Haras des Truands en 2015.